Messieurs, avec humour, je me dois de prévenir, en particulier pour les enfants les plus jeunes, que cette revue de stylos va être un petit peu sportive. Il est temps aujourd'hui de nous pencher sur une compagnie de stylos qui s'appelle Lotus. C'est une compagnie indienne fondée par Arun Singhi et qui a démarré aux alentours de 2015, même si probablement la compagnie a réellement était mis en place aux alentours de 2017-2018. Cette compagnie propose à la fois des stylos complètement custom peints à la main et propose aussi des lignes de stylos plus standards. Ils peuvent être en bois, en acrylique, en ébonite, en métal, avec convertisseur, avec piston, etc. Le modèle que vous avez sous les yeux de chez Lotus est le modèle Chicard. Ce modèle peut exister dans tous les matériaux que j'ai cité avant, celui que vous avez devant les yeux est en résine dans la finition Midnight Purple. Le modèle que vous avez sous les yeux est très exactement le modèle qui m'a été livré. Je me suis refusé jusqu'à présent à y toucher jusqu'à ce que j'en tourne une vidéo. Et, croyez-moi, ça a été difficile. Regardons ce stylo de plus près. Je trouve personnellement que c'est un très très beau stylo. Il y a vraiment une très très belle finition. Cette résine est vraiment très 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 belle. Des chevrons blancs ici mélangés avec un très très beau violet, un petit peu de orange. J'aime énormément la finition de ce stylo. Nous sommes dans une forme de type cigare. Usiné de manière assez simple sur les bouts. Le bout ici a été découpé pour pouvoir insérer le clip. On peut le voir très facilement, il se dévisse. Donc ça ressemble assez au stylo fait à la main, assez usuel. Le clip est bien souple, aucun problème très fonctionnel. Globalement, très beau d'aspect extérieur, j'aime beaucoup la finition, j'aime beaucoup cette résine. Nous allons regarder le nombre de tours. Alors c'est un petit peu dur à ouvrir, on sent que... Voilà, ça commence à aller mieux, mais on sent qu'au niveau usinage, c'est pas exceptionnel. Mais on verra un petit peu plus tard en vissant, dévissant. Donc je vais recompter le nombre de tours. Donc on va dire que c'est à peu près un tour trois quarts. Et la surprise, ah, tiens, ça s'ouvre pas. Alors, qu'est-ce qu'il se passe Je crois qu'on va commencer à se poser des questions sur le contrôle qualité de ces messieurs-dames chez Lotus. Parce que c'est bien d'avoir fait quelque chose pour stopper les doigts sur le grip, mais il y a un petit souci, c'est qu'il est tellement proéminent. En fait, il vient racler sur les, le, le pas de vis du capuchon, et donc il rentre au début, et comme le capuchon se réduit un petit peu, et eh bien ici il bloque. Et puis c'est pas qu'un peu, hein. regardez par vous-même. Hein. Qu'est-ce qu'a bien pu faire Lotus Alors ça, c'est complètement incroyable qu'un stylo comme ça puisse partir après avoir été. Usiner. On est bien d'accord, c'est pas possible. On arrive à enlever ou à mettre le capuchon en poussant quand même assez fort. Mais vraiment, je ne vois pas comment Lotus aurait pu rater ça. Bon, et eh bien voilà, ici s'arrête la revue, temporairement. Je vais m'occuper de cette excroissance ici, censée être l'endroit pour stopper les doigts sur le grip. Je vais jeter aussi un œil par anticipation aux différents pas de vis, rectifier le stylo, le repolir tranquillement et revenir. Je suis de retour. Voici le résultat. J'ai beaucoup diminué l'excroissance qui permet de stopper les doigts. et j'y repoliche. Alors une petite astuce, quand je termine le polissage en allant vers des grains de plus en plus fins, quand je commence à arriver aux alentours du grain 7000, alors des fois je termine par du 10000, par toujours, dans tous les cas au moins jusqu'à 7000, mais là j'ai terminé jusqu'à 10000 avec une petite crème que j'utilise qui permet de nourrir le cuir. Ça améliore en général pas mal... Pour les derniers grains le polissage donc là comme vous pouvez le voir il est impeccable l'excroissance a vraiment beaucoup diminué elle est devenue vraiment assez faible du coup maintenant il n'y a plus aucun souci Ça se passe très bien on continue par le dévissage du corps alors le vissage dévissage est assez serré ça démarre impeccable et là ça commence à devenir un petit peu serré ou à la fois un petit peu plus forcé mais c'est très raisonnable ça fera un excellent headropper en tous les cas, parce que le pas de vis est vraiment très très serré. Je peux d'ailleurs vous montrer, il n'y a strictement aucun jeu, mais strictement aucun. Et là, par contre, sur le dernier tour, il faut beaucoup forcer. Et c'est une chose en général qui me plaît pas trop, parce que du coup, on va forcer au moment où on va sur le contact de la résine côté grip. Donc quand c'est comme ça, ce n'est pas grave du tout, mais j'aime bien mettre un petit joint, justement, pour réduire le contact, en tous les cas, la force du contact. Pour qu'à aucun moment donné, on risque, en allant un peu trop fort, un crack. Voilà. Donc c'est juste un tout petit joint, mais qui va encaisser une partie de l'effort. Et ça fera aussi au passage un excellent dropper. De la manière dont est construit le grip, c'est entre guillemets un petit peu particulier. Je pense que cette pièce-là est de l'ébonite. Ici. Et que... L'acrylique a en fait été, pardon, le, la résine en fait a été emmanchée et tout l'intérieur en fait c'est de l'ébonite. Vous pouvez voir ici on retrouve l'ébonite. À l'intérieur, vous voyez, c'est noir. Donc en fait, à l'intérieur est emmanchée toute la zone que vous voyez ici dépassée avec le pas de vis. C'est très correctement fait, c'est probablement collé, mais c'est très bien fait, il n'y a pas de jeu, c'est impeccable. Et nous avons pour terminer une plume Joao habituelle. Tous les usinages sont vraiment assez serrés sur les pas de vis. Du côté du convertisseur, on a un convertisseur classique Schmitt, qui rentre parfaitement bien, aucun problème. Ça fera un excellent eyedropper, parce qu'il y a beaucoup de, de pas de vis, et c'est très serré sans jeu. Voilà, c'est un très beau stylo, où il y a quand même eu une grosse grosse faute de fête. Et ce que je n'aime pas, c'est qu'ils ont laissé partir le stylo alors qu'ils savaient qu'il y avait un problème. Ce n'est pas possible autrement. Nous passons au poids du stylo. Poids total 29 grammes. Poids du capuchon 12 grammes. Donc 17 grammes. Pour le corps plus grippe. Un stylo plutôt léger compte tenu de sa dimension. Jetons un coup d'œil à la dimension du stylo. Ici un Leonardo Momento Zero. Ici le King of Pen de Sailor, Le sujet que nous sommes en train de revoir le stylo Lotus et le Lamy Safari. Tout de suite, nous pouvons dire que le Lotus est à peu près de la même dimension que le Sailor. Les deux autres stylos, le Lamy Safari et le Leonardo sont beaucoup plus petits. Maintenant que nous avons ôté les capuchons, nous voyons que le Lotus et le Sailor sont à peu près de la même dimension, avec le Sailor un tout petit peu plus grand grâce à sa dimension de plume. Le Lamy Safari est à peu près de la même dimension que le Lotus, et le Leonardo Momento Zero est un tout petit peu plus petit. Je ne ferai pas la comparaison des stylos postés, parce que le Lotus ne poste pas bien, on peut amener le capuchon jusque-là, mais il ne tient pas du tout. Ne peut pas tenir. Est-ce que c'est bien important? Je dirais non, nous avons à faire un stylo qui est assez long, qui conviendra aux grandes mains sans même le poster. Après ce moment difficile pour Lotus, un petit peu de tendresse ne fera pas de mal avec le violet tendresse de Waterman. C'est le test d'écriture. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce test d'écriture La plume est humide, aucun problème de ce côté-là, ça fonctionne très bien, elle est très douce. C'est très plaisant, c'est une très bonne plume Jowo. Je dirais qu'elle écrit sur un bon M. C'est un je dirais que c'est un petit peu supérieur à un M habituel de chez Jowo, mais voilà, c'est très agréable, c'est très très bien. Aucun souci de ce côté-là. Côté confort. Sans surprise. Très confortable. À noter, le grip est un tout petit peu épais. On, on dira qu'on est entre un, un grip médium et un grip épais. Le stylo est léger. C'est très confortable. Il y a de la marche pour les grandes mains. Tout fonctionne très bien au niveau de ce stylo côté écriture. C'est le moment de la conclusion, et je ne suis pas certain que je vais me faire que des amis chez Lotus. Commençons par ce que j'ai aimé. En premier, nous avons affaire à une très très belle, alors résine ou acrylique, en réalité je ne sais pas, je ne l'ai pas trouvé dans la description, mais quoi qu'il en soit, le matériau utilisé est vraiment très beau. Le stylo est très confortable au moment de l'écriture, il est plutôt léger, le grip fonctionne très bien. Globalement, la plume est très bien aussi. Elle est très très douce. Je me suis posé la question de savoir si elle n'aurait pas été un petit peu adoucie par Lotus. Je n'en sais rien, mais en tous les cas, c'est une très très bonne plume dont j'ai hérité. Passons maintenant au sujet qui fâche. Le manufacturing. Alors disons-le clairement, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Un grip qui empêche d'ouvrir ou de fermer le capuchon. Au niveau manufacturing, non seulement j'ai jamais vu ça, mais je me pose aussi beaucoup de questions sur la partie qualité contrôle de chez Lotus, parce que c'est immanquable aussi. Pour moi, là, on est sur quelque chose de complètement impardonnable. Quant au prix, alors je vais parler du prix qu'on trouve en temps normal, on va dire catalogue, mais euh, personnellement, je l'ai payé beaucoup moins cher et je dirais heureusement. Je peux tout de suite vous dire que le stylo que j'ai eu entre les mains est de toute façon à un prix beaucoup trop élevé par rapport au prix vendu sur le site de Lotus ou même sur les sites de vente classiques. Il est normalement autour de 150 euros. Et je dirais que même au prix où je l'ai acheté par rapport à ce dont j'ai hérité au niveau du manufacturing, c'est pas terrible non plus. Si le stylo par contre avait été parfait au niveau manufacturing, le prix dans ce cas-là auquel je l'ai payé aurait été correct. C'est un prix de l'ordre de grandeur des prix de Ranga. Au final, vous pouvez lire ma conclusion. Si on oublie les problèmes de manufacturing et de QA contrôle qu'il y a sur ce stylo, le stylo est très bon. Aucun problème de ce côté-là, mais j'estime qu'il est un petit peu trop élevé en termes de prix par rapport à son prix sur site ou dans les magasins. Pour moi, Ranga fait au moins aussi bien à un prix moins élevé. Et si je dis aussi bien, si je tiens compte des problèmes de manufacturing et de QA contrôle, ils font même bien mieux. Ceci termine la revue du Lotus Chicard. Je vous remercie pour votre attention. A bientôt.